Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer une petite vidéo qui parle de la localisation sur Facebook. Alors vous savez qu'on peut suivre facilement vos faits et gestes sur Facebook, je vais vous le montrer à l'aide ici du panneau de configuration. Donc quand vous êtes dans votre compte, vous cliquez ici sur la petite roue dentée et là vous avez paramètres. Alors je vais cliquer sur paramètres. Et il y a évidemment énormément de choses à paramétrer, mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans l'onglet sécurité que je trouve ici à gauche. Donc je clique sur cet onglet, et ici, tout en bas, il est écrit « Où vous êtes connecté ?» Examinez et gérez où vous êtes actuellement connecté à Facebook. Alors, je vais cliquer ici à droite sur « Modifier » et vous allez voir, j'ai plusieurs endroits qui sont répertoriés pour différents appareils où j'ai été connecté avec mon Facebook, avec mon compte évidemment. Alors, je souhaite que Facebook n'utilise plus mes données de localisation, alors je clique sur ce lien, mettre fin à toutes les activités. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est terminé. La localisation de Facebook ne fonctionnera plus. Pour évidemment la remettre en route si vous le désirez plus tard, mais toujours est-il que vos amis, les personnes qui vous recherchent sur Internet ne sauront pas où vous vous trouvez, ce qui peut être très utile pour garder une certaine forme de confidentialité. Mais attention, ce n'est pas fini. Il va falloir aussi désactiver la géolocalisation sur votre téléphone. Alors on va dans Réglages. Ici, un peu plus bas, vous allez voir, en descendant vraiment très très bas, vous allez voir l'onglet Facebook. Et là, rien de particulier, à part quelques applications qui peuvent utiliser certaines données de votre application Facebook. Et je reclique, des données de mon compte, avec mon login et mon mot de passe, rien de bien particulier. Donc ici, il n'y a rien de spécial, je reviens dans les réglages et je remonte et je vais dans confidentialité. Et c'est là aussi que ça devient intéressant parce que vous avez un onglet Facebook, toujours les mêmes applications, mais quand vous revenez et que vous remontez un tout petit peu, vous allez voir ici dans services de localisation, voilà, on clique dessus et là vous allez voir vraiment toutes les applications qui vous suivent, dont Facebook. Donc là encore, il faut le désactiver de telle manière à ne plus être suivi, parce que malgré tout, vous pouvez encore être traqué par ce chemin-là. Voilà, vous cliquez maintenant simplement sur retour, et puis vous retournez sur votre écran d'accueil, et vous ne serez plus suivi sur Facebook. Si vous connaissez d'autres appareils qui peuvent vous localiser, il faut aussi le désactiver dans ces appareils-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je reste à votre service. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne et aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Au revoir et merci.